commence à Denis, donc ça commence avec quoi? Noro et toi, Saint-Antoine? On y va à 20 par cœur? Ouais. OK. Attention, je vais vous dire quand. 3, 4. Noro et toi, Saint-Antoine. Pocahara. Je suis bien dans l'eau, c'est ma deuxième famille. Ce sont des étudiants de 12 ans, entre 11 et 12 ans, qui sont en 6e année et s'en vont au secondaire. Donc, ils sont très jeunes. Et l'activité Scène Révolte, ça consiste en quoi? Ça consiste en partir des mots, de l'écriture, et d'aller jusqu'à l'expression orale, l'expression scénique de leur idée, mais que ça vienne d'eux. Ce sont leurs mots à eux qu'ils expriment aux autres, et non pas quelque chose qu'on vient leur imposer, que ça parte vraiment de leur... Qu'est-ce qu'ils ont désir d'échanger aux autres? On va le faire à notre fois! Je suis bien dans l'eau, c'est ma deuxième famille. J'aime beaucoup Monsieur Xavier, il est vraiment drôle et je suis triste que c'est terminé tellement vite, comme c'est passé vraiment. Waouh, mais c'était vraiment cool, j'ai adoré ça. J'ai appris des mots dans plusieurs langues et j'ai aussi appris à collaborer avec les gens, c'était très bien. J'ai vraiment aimé ça parce que j'aime le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre. Quand je suis arrivé la première fois dans les classes, j'ai remarqué que, par exemple, dans une des classes de 17 élèves, il y avait 9, 10 langues maternelles parlées différentes. Donc, on est dans une situation de diversité culturelle totale. Le but de cet exercice-là, c'était de réaliser à quel point on était tous uniques. Puis c'est ça que sert l'art, à montrer notre unicité, notre spécificité aux autres, puis à échanger ce qui nous lie les uns aux autres. Aujourd'hui, ce qu'on a fait dans le parc, c'est assez incroyable quand je pense à, il y a de ça 4 mois, quand je suis arrivé au début dans la classe, où le simple fait de parler devant les autres était quelque chose qui était terrorisant. Merci! Bravo tout le monde, félicitations!